points, c'est un, on va travailler sur la présentation. Et le deuxième sur le waouh, justement, l'idée de la prouesse, tout ça. Même si le waouh, c'est aussi dans le premier. Donc, on va commencer par d'abord un élément qui me paraît essentiel, c'est le travail de la confiance et de l'écoute. Ça, c'est la base en mise en disponibilité. Donc, on va travailler sur un jeu en aveugle, c'est-à-dire un qui a les yeux fermés et un qui guide. Tu veux bien venir, s'il te plaît? Donc, je trappe le bras, je mets la main dans le dos et je promène mon partenaire un petit peu partout dans la salle. Donc, le but du jeu pour moi, qui suis le guide, c'est que j'inspire ma confiance en l'autre. Et donc pour ça, le critère, c'est si mon partenaire, comme ça, quand il marche, ça marche pas. D'accord? Donc on va essayer au contraire de d'abord y aller doucement et progressivement, s'il a confiance, on peut accélérer, on peut courir dans la salle. Et puis je vais peut-être mettre quelques obstacles un peu à droite à gauche sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Vous gardez les yeux fermés, vous venez là. Gardez les yeux fermés, venez, venez jusqu'ici, venez, 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 venez. Gardez les yeux fermés, fermés, fermés. Viens jusque là. Ok, c'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Et du coup, vous êtes tous limités au bel espace du gymnase, bien délimité. Et en fait, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est l'idée de la pensée divergente du cirque et de l'art en général. C'est qu'il y a un cadre et on cherche toujours à rester dans le cadre. Et l'idée de l'art, c'est justement d'essayer de sortir du cadre. En fait, je suis resté dans le cadre de ce que je vous ai dit, mais je suis allé ailleurs. Et c'est vraiment cette idée-là, de comment on va chercher, on ne reste pas dans le cadre bien défini, mais comment même dans notre cerveau, hop, on va toujours aller chercher un petit peu ce qu'il y a dans les recoins, dans les limites. Quand on monte sur les objets, tout ça, bien sûr, parade dans l'espace arrière, au niveau du bassin. D'accord? Ça, on essaye d'y penser, c'est important. On inverse les deux? Allez, c'est parti. Donc l'idée de ce qu'on a fait là, c'est le point de départ, c'est l'idée d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est sur la pratique ordinaire et là on va chercher l'extra. Le fait de fermer les yeux, déjà, ça nous met dans cette dynamique-là. On va commencer avec des balles. Donc c'est une situation que j'ai héritée d'un stage que j'ai fait quand j'étais enseignant ici vers le 93, il y a pas mal d'années maintenant. Et avec Pascal et Fabrice, on avait fait cet exercice-là, donc je vous le propose. Et après, à partir de cet exercice-là, je propose une continuité. Je lance la balle à quelqu'un, et quand j'ai lancé la balle, je ferme mes bras. Ça veut dire que je ne suis plus disponible. Vous lancez la balle à quelqu'un qui a les bras décroisés. Dès que quelqu'un a les bras croisés, on ne lance pas. Et quand on a fait le tour, que tout le monde a les bras croisés, vous me le renvoyez à moi qui lance la balle en premier. On y va. Donc la balle, je la lance comme un cadeau. Quelque chose de simple à rattraper. On essaie de retenir la personne à qui on a envoyé la balle. Tout le monde l'a eu? Ok, je récupère la dernière.
Juste pour mémoriser, on refait exactement le même cercle sans croiser les bras. Donc on la reçoit à la même personne, on l'envoie exactement à la même personne. Juste pour la mémorisation. Il faut juste se souvenir à qui tu l'as envoyé tout à l'heure. Toi, tes jambes, plie tes jambes et là, tu vois, ça va t'aider. Ok. Bon, ça va. Maintenant, on va continuer, mais je vais rajouter des balles. Donc, l'idée, c'est que ça va se complexifier. Deux critères pour envoyer la balle. Un, je vérifie que l'autre me regarde. C'est-à-dire que tant que tu ne me regardes pas, je ne t'envoie pas la balle. Et si je ne te regarde pas, tu ne m'envoies pas la balle, puisqu'on est tous les trois. D'accord ? Donc, vous avez vu, ça va faire un triangle. La personne qui vous l'envoie, la personne à qui vous l'envoyez. Donc, chacun a son triangle. Donc, vous regardez essentiellement ces deux personnes-là. Donc, je ne peux pas lui envoyer la balle si elle a déjà une dans la main. Et je peux pas lui envoyer la balle si elle ne me regarde pas. C'est les deux critères. Donc qu'elle me regarde et qu'elle ait rien dans la main. Et après, on va essayer d'aller de plus en plus vite. Tu lances comme tu veux, mais l'idée, c'est que ce soit facile à rattraper. Pour voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bon, on peut aller plus loin, hein. D'accord? Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu tout ça. Bon, on est jamais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. On pourra aller plus loin, mais on va garder les forces. Je vais vous demander de faire exactement la même chose. On lance les balles exactement à la même personne, on la reçoit à la même personne, sauf qu'on n'est plus en cercle. Vous marchez, et puis il va se passer des choses. Vous laissez faire ce qui vient. On garde, on lance toujours à la même personne, ça c'est important. Ça remplace la balle, l'objet que je vous donne remplace la balle. Ok, stop, avec les objets que vous avez, chat perché. La logique du chat perché, c'est quoi? C'est un jeu, mais avec une visée compétitive, d'accord? C'est que le dernier qui est perché, il est éliminé. Là, et donc, nous, on va faire l'inverse. Quand je suis le dernier et que je suis tout seul, du coup, on va essayer de me trouver une place. Et là où normalement, il n'y a pas de place, on va aller en chercher une. Et donc, la prochaine fois que je vais vous dire chat perché, le but du jeu, c'est pas d'aller vite, pour pas être le dernier. Mais au contraire, ça va essayer d'aller tranquillement, mais pour essayer de trouver une forme originale de chat perché que les autres puissent apprécier en le regardant. On va continuer à s'échanger les objets, mais cette fois-ci, vous n'avez plus le droit d'utiliser vos mains. Vous donnez toujours à la même personne, vous recevez toujours de la même personne, mais on n'utilise pas ses mains pour se faire passer les objets.
chat perché. Chat perché. Mais pensez à l'idée que les autres vont vous regarder. Et là, je fais waouh. Ou pas. D'accord. Voilà, effectivement, là, le fait de mettre le pneu à la verticale et d'être en appui sur une chaise, déjà, on commence à avoir un certain équilibre. Là, au lieu de mettre le banc sur le côté, dans sa position initiale, on le retourne. Ici, on est deux sur une chaise. Là, on est trois sur un pneu. Peut-être que le pneu, on peut le mettre dans un autre sens. Peut-être, voilà. Et on peut peut-être aussi associer des objets après coup. On continue les échanges, mais cette fois-ci, c'est sans les mains et sans les pieds. Ok, tout doucement, chat perché. Réfléchissez avec ce que vous avez, comment on peut faire pour progressivement faire en sorte que ça devienne plus intéressant à regarder pour les autres. Si vous sentez que ça peut être déséquilibré, que vous risquez de tomber, vous me regardez, moi je viens et je me mets à la parade, d'accord? Et si moi je vois que vous lancez dans quelque chose, moi je vais vous dire, attends, deux secondes. Et peut-être que s'il y a deux, trois groupes, je vais dire à deux, trois groupes, attends, je me mets avec un, puis je me mets avec l'autre, puis je me mets avec l'autre, d'accord? Donc moi je suis là pour veiller à la sécurité. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir donner à qui vous voulez. Vous prenez l'opportunité de la personne que vous croisez. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher encore plus loin dans les démarches, sans les mains, sans les pieds, d'aller chercher l'originalité au maximum et voir ce qu'on peut arriver à faire émerger de cette improvisation-là. D'accord ? Et quand je vous dis chat perché, on essaye de faire doucement, mais d'essayer au contraire de construire des choses de plus en plus originales. Chat perché, on va doucement, on essaye de voir ce qu'on peut trouver. Alors, est-ce qu'en mettant le bois comme ça, tu es sûr que tu peux pas trouver plus original, plus intéressant? Alors, attendez, par derrière, serrez-vous entre vous, bloquez-vous bien entre vous. Situation que je vous proposais par rapport à ça, pour la faire évoluer, c'est que je vais mettre la musique, vous allez essayer de ne pas parler, je sais que ça va être difficile, mais vous allez essayer d'alterner trois choses. Un, j'échange mes objets, sans les mains, sans les pieds, toujours dans cette idée-là d'aller chercher des choses, sortir de la logique fonctionnelle de l'objet, mais vraiment aller dans quelque chose de plus artistique dans ce sens-là. Deuxièmement, on va faire des chats perchés ensemble, c'est-à-dire sans se parler, on va se rencontrer, on va poser, on va empiler, on va se mettre, on va sans se parler. On va essayer de faire ça. Et la troisième, c'est que vous êtes tous des enseignants. Donc on va se dire que, ou quoi, futur enseignant pour ceux qui sont étudiants, on va essayer de se dire qu'on va essayer de gérer la sécurité en même temps des autres qui sont dans le groupe avec moi. C'est-à-dire qu'à la fois je fais passer, à la fois je fais les chats perchés, et encore à la fois, je suis là vigilant à ce qui se passe. Et si jamais vous voyez qu'il y a des gens qui montent en équilibre, vous vous mettez derrière à la parade. Donc la parade, c'est je me mets au niveau du bassin et je récupère dans l'espace arrière. C'est ça qui est prioritaire. Ouais. Nous, on va se mettre sur le côté, on est spectateur, et là, on fait un spectacle. Et le spectacle, c'est un spectacle d'improvisation autour des équilibres avec les objets que vous avez là. Et on alterne les deux jeux que je vous ai proposés, on échange et on fait des chats perchés. À l'écoute, sans se parler, hop, on se rencontre avec le regard et on essaie de le jouer. C'est vraiment un spectacle. Tiens, on peut faire ça. Vous allez démarrer en cascade, c'est-à-dire que pas tous en même temps, mais c'est un, puis un, puis un, puis un, puis un. Qui va démarrer et qui va prendre un objet, qui va le faire passer et ainsi de suite. Donc il n'y a pas forcément de signal, quand vous le sentez, vous y allez, d'accord? Mais on est vraiment dans un jeu.
Vous avez fait un spectacle là, je sais pas si vous êtes rendu compte quand même. Il y avait des très très belles choses. Si on devait retravailler ça, effectivement on peut travailler sur l'espace, on peut travailler sur le rythme. Alors sur la question de la dramaturgie, c'est-à-dire comment dans le temps on écrit les choses. Là par exemple, le fait que je vous mette cette musique, ça aide aussi à faire en sorte que ce soit calme. Si je vous mets Bénil ou les Bronzés Fonds du Ski, vous voyez bien qu'on va pas du tout avoir la même énergie. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, en gros, c'est faire en une demi-journée ce que vous faites en une séquence d'enseignement entière. Donc forcément, on va vite. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes tenté de faire des acrobaties, de faire des roulades au-dessus des corps des autres, parce que vous avez la motricité pour le faire. Des élèves qui ont la motricité pour le faire, ils vont le faire. Ceux qui n'ont pas la motricité pour le faire, ils ne le feront pas. D'accord? Aussi simplement. Mais vous avez vu, moi, mon rôle à chaque fois, c'est j'ai pris un ou deux d'entre eux, je fais viens, hop, il manque une parade ici, il manque une parade là. C'est-à-dire que moi, je reste vigilant en permanence en fonction du public que tu as. C'est-à-dire tu t'adaptes à ton public, ça c'est une évidence. Tu es avec des terminales, tu es avec des sixièmes, ou dans le premier degré, tu fais pas la même chose. C'est évident. Tant que tu peux assurer la sécurité, tu peux le faire, en étant sûr que c'est vraiment de sécurité. Par exemple, quand tu es monté, il y avait des plus grands profs de PS qui sont solides, costauds en bas. Tu as ton bassin au niveau de leurs bras, ça passe. Si tu étais un mètre au-dessus, j'aurais dit non. Ou alors on rehausse, on met des tapis, après on le construit. C'est-à-dire qu'on le construit, on a une longe de sécurité et ainsi de suite. Donc il faut voir qu'en termes de sécurité, il faut aussi s'adapter à ce qu'on a. Alors après, on va voir pour la sécurité avec les tapis, c'est que là, je vais vous mettre par groupe et on va travailler à créer vous-même vos propres d'équilibres avec ça. D'accord, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc, là, à ce moment-là, on va mettre des tapis derrière, on va travailler une figure en particulier avec toi. Et donc, du coup, on va mettre les tapis, on va mettre les parades. Et là, on va prendre le temps de travailler la sécurité. Là, c'est sur un temps d'improvisation. Mais avec les élèves, je suis pas sûr que ce temps d'improvisation, vous puissiez le faire dès la première séance. Il faut avoir tout construit en amont, ça c'est sûr.